Bom, je reviens sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un petit sac léger et pratique pour tous les jours. Pour le réaliser, nous avons besoin d'un coupon de 90 cm de long par 25 cm de large. Un coupon pour la bandoulière d'un mètre de long par 9 cm de largeur. Du thermocollon pour le tissu et du bouton pression. Nous allons commencer par coller le thermocollon sur l'envers du tissu. Ensuite, nous allons plier notre tissu au milieu, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur. Et on va tracer et couper les ongles du haut du tissu. On va faire un repère sur le côté à 5 cm, un deuxième repère sur le haut du tissu à 5 cm aussi. On trace une ligne, on découpe. Maintenant, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons plier notre tissu au milieu, endroit contre endroit. On va marquer le milieu du tissu de chaque côté. On va faire un repère de chaque côté à 30 cm en partant du bas du tissu. Maintenant, on va plier notre tissu comme ceci et rejoindre tous nos repères. On plie notre tissu à nouveau comme ceci et on va épingler les côtés et le haut du tissu. On va passer une couture au point droit à 1 cm du bord et sur le haut du tissu, on va laisser une ouverture pour retourner. On coupe l'excès de tissu de la couture et on retourne.
Maintenant, nous allons passer une couture autour du rabat à peu près à 2-3 mm du bord. On va coudre la bandoulière. On va passer une couture de chaque côté. Maintenant, nous allons épingler la bandoulière au sac. On va plier à peu près 2 cm et on va épingler sur les côtés bien au milieu de la couture. On va passer une couture bien renforcée et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va fixer les boutons. Voilà, notre petit sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.